Salut toi, c'est Papa Popote. Ben oui, écoute, on est mardi. J'espère que tu passes une belle journée parce que il fait beau. Hein? Il fait beau, une belle journée ensoleillée, pas d'humidité là. Tu sais là, vraiment là, pour aller faire des marches, aller jouer au tennis, aller faire du sport dehors, c'est merveilleux. Jouer au golf, n'importe quoi. Écoute, même se baigner, il fait assez chaud pour ça. Tu sais, c'est vraiment une très belle journée d'été, vraiment là. Mais ça m'a pas empêché de prendre le temps qu'il faut pour toi aujourd'hui. De regarder là, les 10 rabais qui ne reviendront pas la semaine prochaine, hein, du 16 au 22 juillet. Donc, ça vaut la peine parce qu'il nous reste 2 jours là, pour profiter des rabais qui finissent avant que jeudi, là, le nouveau circulaire commence. Donc, s'il y a vraiment quelque chose qu'on veut profiter, ben, c'est le temps ou jamais de le faire. Donc, avant de commencer, c'est sûr que je t'invite, hein, sérieusement, là, à t'abonner à la circulaire de Papa Popote. Parce qu'avec ça, tu es sûr de jamais manquer un rabais là, dans les épiciers qu'on aime tous, que ce soit Maxi, IGA, Métro, Provigo, Super, tu sais. Ça se trouve là, dans la circulaire de Papa Popote. Puis si tu veux plus que ça, c'est-à-dire des recettes inédites de Papa Popote en primeur, ben c'est sûr que l'abonnement VIP de Papa Popote, là, c'est tout recommandé. Fait qu'écoute, n'hésite surtout pas à t'abonner parce qu'en plus, tu m'encourages. Hein? Juste ça vaut peut-être la peine. Écoute, commençons tout de suite avec le numéro 1. Écoute, les cuisses de poulet. Okay? Cuisses de poulet à 99 cents la livre ou si tu préfères 2,18 le kilo. Il n'y en aura pas la semaine prochaine de ça. Donc, si tu as l'intention de te faire un petit souper, là, style rôtisserie ou petite marinade avec une cuisse, mettre ça sur du charcoal, là, puis manger ça sur le bord de la piscine là, comme un viking, ben, c'est cette semaine qu'il faut que tu en profites parce que la semaine prochaine, tu n'auras pas cette protéine-là. Je te le dis. Numéro 2, écoute, le tartare. Ah, ça, c'est bon, là. C'est chez IGA, là. Le tartare, tu as saumon, le thon, les pétanques, le bœuf. C'est des petits tubes de 130 grammes. Tout petit, mais que du bonbon, là. Normalement, il est 10 piastres, 10, 11 piastres. Là, il était à 6,99. Donc, 7 piastres. 30% de rabais là, comme il faut. C'est pas un rabais qui est récurrent, mais je te le dis, c'est délicieux ça, là. Tout ça, tu mets ça dans une petite assiette, là. Puis là, let's go. Tu mets de l'huile là-dedans un petit peu, puis un petit peu de coriandre si tu veux, puis tu manges ça de même à la grosse cuillère. C'est débile. Peut-être une petite mayonnaise épicée là-dedans ou quelque chose. Écoute, il y a tellement d'affaires qu'on peut faire avec ça. Tu peux même te faire des makis. T'as posé du chaud poisson, là, tu sais, commencer à filer du poisson, tatatatata. Avec ça, tu prends ton tube, tu prends une cuillère, tu fais ta main sur ton maquis, tu roules avec un avocat, par exemple, une mangue, tiens, tu te roules le maquis, puis merci, bonsoir, là. Délicieux. C'est facile, vraiment, à faire, parce que là, tout est fait, c'est sûr, c'est plus ça coûte ce prix-là, là. Mais si tu le dis, là, quand tu goûtes à ça, tu dis, oh, attention, là, c'est vraiment de la haute qualité, c'est vraiment super bon, fait que, écoute, je te le conseille. Il y en aura pas la semaine prochaine, ça, c'est sûr. Le numéro 3, écoute, la bavette top gourmet. Donc, c'est une bavette marinée. Il y a plusieurs marinades, check ça. Facile à faire cuire. Il ne faut pas que tu te fasses trop cuire. C'est une viande que tu fais saisir. Il ne faut pas non plus t'en manger saignant parce que c'est trop saignant parce que c'est pas intéressant en bouche. Il faut que tu le coupes mince sur le bon bord de la fibre après ça. Tu sais, c'est pas un morceau, c'est spécial, moi, je trouve, la bavette. C'est pas quelque chose que je raffole. J'ai mis du filet mignon 100 000 fois. C'est pas du filet mignon non plus. Ça, c'est sûr, il est un petit peu plus coriace, mais ça a un petit goût. C'est un petit goût d'arvénésie, c'est ça qui arrive. C'est pour ça que ça coûte cher. Fait que là, 11,99 la livre, ou si tu préfères 26,43 le kilo, c'est un bon prix là, pour cette qualité de viande-là. Ça, c'est certain. Puis il n'y aura pas ça la semaine prochaine. En tout cas, pas le top gourmet. Ça, c'est certain. Le numéro 4, écoute. Ah, une petite merde. Des boîtes de tourne-dos flamingo à 5,98. Ça vaut plus que le double. Puis, c'est du vrai poulet. T'sais, c'est ça qui arrive. C'est du vrai poulet. Tu mets ça dans le four directement sur un petit papier coquina. Merci, bonsoir. Puis, écoute, avec une petite salade ou un petit riz ou une petite patate frite. C'est un bandage. Pour dans la semaine, là, t'sais, on n'a pas le temps de cuisiner. Là. Ça fait la job. Puis, c'est pas du fast-food non plus. Fait qu'écoute, il y a les protéines là-dedans. Il y a tout ce qu'il faut. C'est un bon petit rabais, puis il n'y aura pas ça la semaine prochaine, ça c'est certain. Et le numéro 5, écoute, les raisins. Hey, j'en ai mangé cette semaine, les raisins, là, mais ça c'est le comptoir toute la semaine, 88 cents la livre, tout ça coûte à rien. Ou 1,94 le kilo pour des bons raisins. J'ai pris des raisins rouges, là, ils étaient croquants, ils explosent dans la bouche, là, puis sucrés, mais pas trop. Là, puis, ah, il y avait le dosage de sucré, puis une petite, pas surette du tout, mais tu sais, écoute. Délicieux, juteux. C'est sûr que ça, hein? C'est pas du McDonald's, là. C'est pas pareil d'une fois à une place à l'autre. Même dans le bac que t'as là, il y en a qui sont plus gros, plus petits. Fait que
Tu sais, il faut que tu saches un peu les choisir, mais l'affaire qui est sûre, c'est qu'à 88 cents, tu n'auras pas ça la semaine prochaine, la livre pour du raisin. Fait que je te le dis. Le numéro 6, écoute, le sirop d'érable. Sirop d'érable, 4,98 la canne, hein, pour faire des petites marinades. Là, ça, dans cet incite, c'est ça. On ne fait pas beaucoup de grosses affaires de sucre, là, tu sais, des tartes au sucre en plein été. Là, c'est pas, en tout cas, moi, je ne suis pas porté à faire ça. Mais je m'en sers du sirop, bien sûr, pour mettre sur mon, par exemple, sur mon filet de saumon. Ou bien quand je fais une petite marinade, ça, c'est super. Écoute. Avoir une canne, tu sais, ça peut pas être préemption là-dessus. Fait que c'est toujours le fun d'avoir une canne. Moi, j'ai toujours au moins deux cannes dans le fond de mon tiroir, dans le fond de mon armoire plutôt, de sirop. Ça, c'est évident. Puis je paye jamais plus que 98-99 pour ces cannes-là. Même j'essaye quand ils tombent des fois, c'est arrivé là, à 4,44. C'était super prix. Mais à 98, quand ça en vaut 9 piastres, ben, ça a bien du bon sens comme rabais. Continuons avec le numéro 7. Écoute, la poitrine ou eau de cuisse de poulet avec l'os et la peau. Donc là, c'est au lieu de poulet en entier, de soit la, juste la poitrine ou les hauts de cuisse pour 2,99 la livre. Ou si tu préfères 6,59 le kilo. Fait que ça, hein, c'est pas cher. Là. Pour, c'est sûr que tu ne commences pas à le désosser, tu le fais cuire comme ça. Tu le désosses un coup cuit, ça c'est certain, mais c'est une belle protéine. Puis vraiment, à ce prix-là, ça a du bon sens. Tu n'auras pas ça la semaine prochaine, ça c'est sûr. Aussi, numéro 8, de bacon, sans nom, mais 500 grammes pour 3,44. Pas du bacon. Bon ben, on va en manger du bacon. Faut pas trop en manger, par exemple. Hein? Tu vois là, tu passes à personne. Mais c'est trop bon. Écoute, c'est sûr que moi, j'en ai toujours, toujours ici du bacon. Ça, c'est sûr. Fait que là, tu sais, la semaine prochaine, il n'y a pas de bacon en spécial. Mais non, toi, tu plates. Le numéro 9, écoute, les crevettes blanches. 400 grammes de crevettes blanches. Des 31,40, la grosseur. 6,99. Hein, beau. Hein, ça, c'est parfait. Tu vas faire un petit sauté ou, hein, ou un petit sauté de légumes et crevettes. Fantastique. Tu vas te faire, par exemple, aussi, je sais pas, des rouleaux de printemps. Là. Je vais me faire ça cette semaine. Là. J'ai essayé ça. C'est frais, là, t'sais, avec t'sais, une feuille de riz, là, avec un petit peu de vermicelle. Puis, tu mets des crevettes là-dedans, c'est sûr, avec un petit peu de coriandre. Puis, t'oublies pas la fève jamais qui donne le croquant. C'est ça qui est écœurant. C'est sûr que, tu sais, la feuille de riz avec, tu sais, mettons, tu prends une salade Boston, hein, avec le vermicelle, puis, comme je te dis, des petites fèves germées. Ça, là, c'est la base. Après ça, tu peux rajouter des carottes, tu peux rajouter du poulet, tu peux mettre n'importe quoi, mais la base, c'est vraiment la fève germée avec le vermicelle de riz. Ça, c'est carré. J'en mange, j'en parle, j'en mange, j'en ma tête, je suis déjà plein. Écoute, t'es à 6,99, le plus petit crevette, j'arrive aux crevettes, c'est super bon. Il n'y aura pas ça la semaine prochaine, ça, c'est sûr. Et finalement, écoute, les hauts de cuisse désossés. Donc là, lui, tu as le haut de cuisse à 2,99 là, avec la peau l'os, mais là, si tu veux l'avoir tout désossé, pas de peau pour faire une brochette ou une petite marinade avec ça, puis, parce que ça a une texture, hein, le haut de cuisse, il est à 3,99 la livre, ou si tu préfères 8,80 le kilo pour cette qualité-là. Fait écoute, c'est ça qui est ça pour les 10 rabais qui ne reviendront pas la semaine prochaine du 16 au 22. Mais je t'invite, bien sûr, à t'abonner à la circulaire de Papa Popote. Hein? Oublie pas. Puis surtout, fais-moi un petit commentaire, un petit j'aime en dessous de la vidéo. Si t'aimes ça, si ça t'aide, si ça, au moins ça te guide, puis ça te fait sauver de l'argent, ça serait le fun que tu me l'écris. Parce que moi, j'ai pas. Tu sais, je parle tout seul là, devant une caméra. Là. Les seuls feedbacks que j'ai, c'est quand tu me fais un commentaire, quand tu m'écris un petit courriel. Puis j'adore ça en passant, tu sais. Puis je réponds le plus possible, c'est sûr. Fait que sur ça, je te souhaite bien sûr de passer une belle journée, la belle journée qu'on a. Passe une belle journée. Une bonne fin de semaine. Puis surtout, je t'envoie un beau bisou de Papa Popote. Tiens. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo de Papa Popote.